Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet épisode de Figures marquantes de notre histoire, une série consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Aujourd'hui, nous parlons de Jeanne Mance et des pionnières de la Nouvelle-France. Jeanne Mance est originaire de la Champagne, une région de France. Elle est née en 1606 et elle est décédée à Montréal en 1673. Montréal, qui lui doit énormément. On peut la considérer, on la considère même depuis 2012, comme l'une des cofondatrices de Montréal. Et toute sa vie, elle s'est activée pour cette ville, qui était au départ un petit établissement qui avait été conçu, souhaité par les gens de la Société Notre-Dame, qui étaient des devots, des mystiques. Et donc, elle s'est beaucoup activée toute sa vie pour que cet établissement puisse devenir la ville que l'on connaît, même si elle était bien loin de se douter que Ville-Marie allait devenir la métropole de 3 millions d'habitants d'aujourd'hui. Elle a été l'intermédiaire d'une certaine Angélique de Bullion, une mécène, qui a mis l'argent de base, les fonds nécessaires à la création, à la fondation de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital dont elle a été la gestionnaire, la fondatrice aussi. Elle s'est aussi beaucoup activée en France, une sorte de lobbyiste. Elle allait souvent en France, elle est allée à au moins 3 reprises pour convaincre les autorités de soutenir ce petit établissement qui était constamment attaqué par les Iroquois qui considéraient que ce territoire était un peu leur chasse gardée. Pour nous parler de cette femme absolument remarquable et pour nous parler des pionnières de la Nouvelle-France, nous avons invité une femme engagée qui s'est fait connaître comme militante étudiante durant les années 60 jusqu'à devenir candidate à la mairie de Montréal en 2009. Entre les deux, elle a été députée de Maisonneuve et d'Hochelaga-Maisonneuve de 1981 jusqu'en 2008. Elle a été ministre dans plusieurs gouvernements. Elle a été présidente de l'Assemblée nationale, chef intérimaire de l'opposition officielle. Et donc, nous recevons, pour nous parler de Jeanne Mance et des pionnières de la Nouvelle-France, une femme très engagée socialement et politiquement, mais aussi une passionnée d'histoire, Mme Louise Arel. Merci. Louise Arel, bienvenue. Merci. Alors donc, nous allons passer une heure à parler de Jeanne Mance et des pionnières de la Nouvelle-France. Et cette heure sera suivie par une période de questions. Donc, quand ce sera terminé, ne partez pas en courant, restez avec nous. Nous aurons une période de questions qui durera environ 30 minutes. Alors Louise Arel, d'abord, peut-être que c'est une question que le public se pose, que nos téléspectateurs se posent. D'où vient cette passion pour Jeanne Mance et les pionnières de la Nouvelle-France? Remarquez, je ne suis pas tellement surpris. Ah bon? Non, tant mieux. Mais je serais curieux de vous entendre. Moi, je le suis quand même. Oui? Bien, il y a 10 ans, là, je pense que c'était presque en, jour pour jour, là, en 2005, je me suis rendue au musée des Hospitalières, qui est le petit musée sur la rue des Pins, l'avenue des Pins. Et j'y étais pour une exposition sur la science des plantes qui avait été transmise par les Indiens. Et à cette occasion, j'y ai découvert Jeanne Mance. Et j'ai découvert la ville de Montréal. Parce que l'histoire de Jeanne Mance, c'est l'histoire de Montréal. Et il y avait la fondatrice du musée, Sœur Payeur, à qui je rends un hommage extraordinaire. Et puis, Sœur Payeur, depuis ces 10 années, eh bien, elle m'alimente. Je suis allée à Langres, ville où origine Jeanne Mance. Et puis, à la ville de Montréal, ben je me suis activée pour ajouter ma contribution à tous ceux et celles qui souhaitaient que Jeanne Mance soit, et elle le fut, reconnue comme fondatrice de Montréal, au même titre que Chaumédine Maisonneuve. Et donc, ça a comme une bougie d'allumage. Bon, et puis après, j'ai découvert Marguerite Bourgeois. Oui. Parce que moi, j'étais allée étudier, comme peut-être plusieurs de ma génération, à la Congrégation Notre-Dame, et jamais je n'avais entendu parler de Marguerite Bourgeois comme je l'ai maintenant découverte, entre autres au musée
sur le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, et par les écrits qui en ont été faits, parce que Marguerite Bourgeois est une femme d'une modernité extraordinaire, puis je souhaite pouvoir vous en parler et partager finalement cet hommage que je veux lui rendre pour vraiment ce qu'elle a fait en termes d'enseignement. Ici, à Montréal, puis au Québec. On pourrait un peu tout de suite froncer les sourcils en entendant le mot « modernité », puisque ce sont des femmes qui étaient des mystiques, des femmes très dévotes, des femmes d'ailleurs qui ont fait le choix de la chasteté. Dans le cas de Jeanne Mance, elle est restée une laïque. Donc, moderne, dans quel sens? Pourquoi moderne? Pourquoi choisissez-vous ce mot? Dans le cas de ces trois pionnières, que seraient par exemple Jeanne Mance, mais aussi Marguerite Bourgeois et Marie Guyard. Bon, mais c'est certain que ce soir... je reconnais que c'était une aventure de foi, là. Dans le cas autant de Marie Guyard, qui est devenue Marie de l'Incarnation, que de Jeanne Mance ou de Marguerite Bourgeois. Mais beaucoup de textes hagiographiques ont été écrits là, sur le caractère, ou confirmer le caractère de sainteté de ces héroïnes. Mais moi, ce qui m'a intéressée, c'est leur humanité. Et ce soir, ce que je veux partager, c'est finalement justement cette connaissance de cette humanité qui me permet de considérer ces femmes comme ayant été intrépides, comme ayant été insoumises à l'égard des dictats de leur époque, comme ayant franchi des obstacles qui apparaissaient infranchissables et qui étaient des barrières pour les femmes qui étaient leurs contemporaines. J'ai une immense admiration, puis j'espère pouvoir la partager. Ça sera sûrement contagieux. Dans un premier temps, parlons un peu de ces trois pionnières. Et dans un deuxième temps, on s'attardera davantage à Jeanne Mance. Rapidement, Jeanne Mance, Marie Guyard, Marguerite Bourgeois, qui sont-elles? Quel âge ont-elles lorsqu'elles arrivent en Nouvelle-France? De quel milieu viennent-elles? En fait, la première qui arrive, ce sera Marie Guyard en 1639, et elle a déjà 40 ans, alors que Jeanne Mance arrivera à l'âge de presque 36 ans. Et Marguerite Bourgeois, 33 ans, donc elles sont à l'âge de la maturité. Et elles ont déjà vécu en France une durée de vie moyenne qui est supérieure à celle de leurs contemporains. Hein, il faut se rappeler que sur une centaine d'enfants qui naissaient, 25 mouraient avant l'âge d'un an, 25 autres avant l'âge de 20 ans et 25 autres entre 20 et 45 ans. Alors qu'elles arrivent vraiment en pleine maturité. Elles sont scolarisées, ce qui est très rare. 90 % des femmes de leur époque sont analphabètes. Alors, elles sont toutes les trois scolarisées. Marie Guyard, évidemment, est une intellectuelle de premier plan. Elle laissera 13 000 lettres, entre autres écrites à son fils, Claude Martin, qui deviendra dominicain, parce que Marie Guyard, en fait, on en reparlera, mais sera donc veuve et elle aura un fils. Elle va ensuite se cloîtrer, c'est quand même incroyable. Oui, mais c'est la seule qui arrivera religieuse, parce que Marguerite Bourgeois arrivera ici à l'âge de 33 ans, en fait, comme laïque. Donc, des femmes... d'âge mûr, des femmes scolarisées. Dont le père est décédé. Ça a l'air de rien, mais moi, je pense que le fait que leur père soit décédé ou qu'elle soit devenue veuve a une certaine importance pour les choix qu'elles peuvent faire de manière plus libre. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Dans le cas, vous voyez, elles y sont venues aussi, et puis on pourra en reparler, mais parce qu'elles ont eu des bienfaitrices. Surtout, Jeanne Mance, on sait très bien quelle amitié elle a développée avec Madame de Bullion, sa bienfaitrice. Et c'est le cas également de Marie Guyard, Marie de l'Incarnation, n'aurait jamais pu venir sans Madame de la Pelletrie, qui fut une bienfaitrice un peu fantasque. Hein? Elle a accompagné Marie Guyard à Québec. Et quand Jeanne Mance est arrivée, elle a voulu suivre Jeanne Mance. Elle est venue à Montréal, finalement, elle est retournée à Québec. Mais c'était quand même une femme extrêmement généreuse. Quel milieu social? Est-ce que si elles étaient scolarisées,
Elle venait probablement pas d'un milieu si pauvre, quand même. D'autant que non, parce que la scolarisation nécessitait en fait des frais là, qui étaient à la charge des familles. Et dans le cas de Jeanne Mance à Langres, elle a en fait été de la petite noblesse, mm-hmm. disons-le. Et ça lui a permis d'avoir un réseau familial. On y reviendra, mais elle avait un cousin qui, en fait, lui ouvrira les portes des grandes dames de la noblesse, Nicolas Dolbeau, qui fut chapelain à la Sainte-Chapelle et qui lui parlera dans les termes qui l'emballeront, en fait, de la mission en Nouvelle-France. Alors, que dans le cas de Marie Guyard et de Marguerite Bourgeois, eh bien, toutes les deux étaient plutôt, je dirais, de la petite bourgeoisie, parce que leur famille était plutôt des maîtres artisans. Maintenant, avant d'aborder tout de suite le contexte de départ, parce qu'à un moment donné, ces femmes-là, qui étaient des Françaises, décide d'aller vivre en Nouvelle-France. Bon, c'est quand même incroyable quand on se replace, inouï, quand on se replace dans l'époque du 17e siècle, surtout des femmes qui n'étaient pas désœuvrées, contrairement peut-être aux filles du roi, qui étaient plus pauvres, qui venaient de milieux plus difficiles, qui avaient peut-être moins de choix, ou qui n'avaient pas beaucoup d'options. Le contexte religieux, je pense qu'il faut en parler, parce qu'on est face à trois femmes très dévotes, même on les a surnommées mystiques. Oui. C'est quoi le contexte religieux du 17e siècle? Qui explique l'arrière-plan religieux. Et, il est certain que ça a eu une extrême influence parce qu'il y avait une exaltation religieuse au 17e siècle en France qui sortait des guerres de religion, qui avaient été extrêmement funestes. Quand elles naissent, en fait, et qu'elles grandissent, il y a tout un, si vous voulez, un contexte. On dit d'ailleurs que c'est le siècle des saints. On les connaît même ici, là, Saint-Jean-Eudes, Saint-Charles-Borromée, Saint-François de Sales, Saint-Vincent de Paul. Eh bien, ils sont tous de cette époque-là, entre 1550 et 1650. Alors, c'est vraiment une époque de zèle apostolique, oui. de confrérie. Et puis, c'est l'époque. On veut convertir aussi. On veut convertir parce que c'est, d'une certaine façon, le renouveau catholique suite à la réforme protestante. Et là, il y a évidemment les relations des jésuites. Voilà, ça, c'est un magazine assez populaire à l'époque. C'est un best-seller. c'est un vrai best-seller. Pas loin du lundi, là. C'est un grand succès de librairie. Oui, un grand succès. Mais le fait est que les relations des jésuites, qui étaient publiées chaque année, étaient lues dans les réfectoires des couvents, des monastères, dans les confréries. On les utilisait, les prédicateurs populaires les utilisaient pour en faire des récits. Alors, c'était vraiment une grande époque d'exaltation. On va les passer un après l'autre, les trois, là, qu'elles ont été les bougies d'allumage. Oui. Qu'est-ce qui a amené chacune des trois? Donc, d'abord, commençons avec Marguerite. Donc, on disait d'abord les relations des jésuites, hein, qui finalement avaient une influence extrêmement importante. Et puis, dans le cas de Marguerite Bourgeois, donc, il s'agissait de Louise Chaumédé de Maisonneuve, sœur de Paul de Maisonneuve, qui, en fait, souhaitait elle-même pouvoir fonder une communauté en Nouvelle-France. Son frère la visitera en 53, là, on y reviendra, mais c'est au moment de la grande recrue. Mais son frère lui dira que vraiment la colonie n'est pas prête à recevoir un cloître. Et ce qu'il exprimait, par ailleurs, c'était le besoin d'une enseignante. Et c'est Louise Chaumédé de Maisonneuve qui a suggéré à son frère que ce soit Marguerite Bourgeois, qui elle-même était déjà très engagée depuis bien des années dans l'enseignement des petites filles comme bénévole, enseignante séculière, si vous voulez, rattachée à la congrégation de Notre-Dame. Et dans le cas de Marie de l'Incarnation, Marie Guyard, qu'est-ce qui va être la bougie de l'image? Comment elle va en arriver à penser à la Nouvelle-France? Marie Guyard, je pense que ce qui...
Marie Guyard a eu, elle, des songes prophétiques. Oui, hein, c'est vrai. Parce que c'était toute une époque mystique, là, comme vous le signaliez. Quand on dit le mot dévot, hein, ici, le mot dévot, maintenant, est discrédité. Mais c'était des femmes de grande dévotion, et c'était des femmes pieuses. Mais elles étaient aussi très pratiques. Elle n'était pas que mystique, elle avait un sens pratique extrêmement développé, puis j'aimerais qu'on puisse tantôt en parler. Alors donc, c'est plus un songe prophétique, elle avait, ça a pris quand même plusieurs années, c'est 5 ans après ce songe prophétique que Madame de la Peltrie fera savoir qu'elle était prête à financer à une communauté de femmes. Elle était très inspirée par Madame d'Aiguillon. La duchesse d'Aiguillon qui était la nièce de Richelieu, venait de financer l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors, Madame de Peltrie, inspirée en fait par cet exemple, voulait faire de même. Mm-hmm. Et c'est ce qui a amené finalement Marie de l'Incarnation à accompagner Madame de Peltrie à venir à Québec. En 1639. Et Jeanne Mance, elle, c'est quoi comment ça se passe? Mance, évidemment, elle est dans une famille, je parlais tantôt de son cousin, le chapelain de la Sainte-Chapelle, qui est aussi le précepteur de Richelieu, du duc de Richelieu, mm-hmm. et qui vient à Langres en 40, exactement quelques semaines avant son départ. Et qui parle de manière très emphatique de tout ce qui se passe dans la Nouvelle-France, d'autant qu'il avait son frère, qui était donc le cousin de Jeanne Mance, qui lui-même était venu comme missionnaire. Mm-hmm. Et ils avaient eu un oncle plusieurs années auparavant qui était chez les Récollets mm-hmm. et qui également, en fait, avait... était devenue missionnaire. Alors donc, Jeanne Mance baigne dans cette atmosphère. Mmh. Entend parler de tout ça. Entend parler de tout ça et quitte sa famille pour Paris, où elle ira loger chez sa cousine, en fait, la sœur de ce Nicolas Dolbeau. Mais elle ne les informe pas à ce moment-là. Elle ne leur dit pas du tout qu'elle entend venir en Nouvelle-France. Il faut comprendre aussi qu'elle subissait des tourments intérieurs considérables. Mmh. Ce n'était pas une petite décision facile. Là. Oui, en effet. Alors donc, elle était très influencée par les jésuites. Elle était proche de ses directeurs de conscience. Et finalement, il y a ce directeur de conscience qui était supérieur du noviciat des Jésuites qui lui a donné un peu le feu vert, si vous voulez. Et à partir de là, bien, ça s'est enchaîné parce qu'elle est devenue un peu la coqueluche des dames de la noblesse là, qui ont commencé à trouver une oui. Nous, on est encore sceptiques parfois de ce que ça a pu représenter. Alors, imaginez-vous, à l'époque, c'était comme, mais totalement inouï. Alors, la reine Anne d'Autriche, et en fait, à peu près toutes les nobles la voulaient, en fait. Mm-hmm. Il semble qu'elle ait eu une capacité de persuasion absolument extraordinaire. Alors, elle va entrer en contact avec Elle entre en contact avec la Dauversière. Oui, oui. Et la Dauversière la convainc parce que, dans le fond, elle était prête à aller en mission, mais ce n'était pas spécifique dans Ville-Marie. C'était d'une manière plus générale. Alors, la Dauversière, peut-être qu'on peut en dire un mot, la Dauversière. Monsieur de la Dauversière, il avait vraiment beaucoup de songes prophétiques. Oui. Alors, notamment de fonder une communauté pour convertir les sauvages de la Nouvelle-France. Hein. C'était exactement le terme utilisé. La Société Notre-Dame. La Société Notre-Dame pour la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Mmh. Et M. de la Dauversière, la convainc. D'être celle qui sera l'intendante du projet. Ouais, l'administratrice. L'administratrice. Mais vous savez, en fait, la Société Notre-Dame aura acquis la propriété des 100 associés. Mm-hmm. Et la propriété était l'île de Montréal, et qui s'appelait l'île de Montréal, mm-hmm. alors que l'établissement s'appelait Ville-Marie. Mm-hmm.
Et c'est bien sûr que la Dauversière cherchait, avait fait un portrait. C'est Jean-Jacques Ollier, d'ailleurs, qui va décrire exactement le portrait d'une âme héroïque et d'une femme capable d'avoir, en fait, un leadership très fort. Parce que dans le texte fondateur de la Société Notre-Dame, on y indique à égalité, en fait, Chaumédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Alors, quand ils quitteront La Rochelle, il faut aussi signaler, je fais une parenthèse, parce que ces trois femmes-là, dans leur entourage, et particulièrement Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois, auront des obstacles familiaux, c'est-à-dire que les familles tenteront de les dissuader, de les décourager. Vous savez, Jeanne Mance partira de La Rochelle plutôt que Dieppe parce que sa famille était à Dieppe et cherchait à la décourager. Marguerite Bourgeois ne leur dira pas avant de quitter Troyes. Elle partira et c'est en cours de route qu'elle les informera. Alors, il est certain que ces obstacles étaient très importants. Avant de présenter rapidement et de passer à Jeanne Mance, présenter Marguerite Bourgeois et Marie Guyard, mais un mot sur la rencontre avec Angélique Dubulion. C'est quand même une rencontre déterminante. Ah, déterminante. Il faut en parler. J'ai toujours trouvé ça mystérieux qu'elle veuille être si secrète. On sait que Mme Dubulion, vous ne voulez pas que ça se sache qu'elle avançait, c'était une veuve, elle avait hérité de beaucoup d'argent. Et donc, cette rencontre a été importante, hein, parce que c'est comme si Mme Dubulion lui a confié cette mission de fonder un hôpital. Déterminante. En fait, Mme Dubulion est devenue son amie, n'est-ce pas, hein, littéralement. Et après quatre rencontres, finalement, Jeanne Mance a accepté ce projet qu'avait Mme Dubulion et qui était lui aussi inspiré par la duchesse d'Aiguillon qui avait finalement ouvert cet hôpital à Québec. Et Mme Dubulion, durant les décennies qui suivront, sera indispensable parce que sans elle, eh bien, il y aurait eu l'anéantissement de une question que peut-être d'autres se posent, mais pourquoi ce secret? Pourquoi ce secret? Pourquoi elle ne voulait pas? Est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas. C'est difficile à... Bon. Parlons rapidement, avant d'aller sur Jeanne Mance, de Marguerite Bourgeois. Oui. Elle arrive en 1655. Quel est son legs le plus important? Quels sont ses legs les plus importants? En fait, le plus important, c'est certainement le fait que Marguerite Bourgeois refusait et le cloître et la dot. Ah oui. Il faut savoir, hein, que je vous mentionnais tantôt le Concile de Trente, le Pape V, et les femmes cloîtrées. Les femmes cloîtrées, c'est-à-dire que tout ordre, il devait y avoir des vœux solennels, et une fois prononcés les vœux solennels, c'était le cloître. Alors, les communautés ne se concevaient que dans cette dynamique. Et Marguerite Bourgeois refuse et le cloître et la dot. Et la dot était extrêmement, extrêmement importante. La dot, c'était le montant qu'ils devaient payer pour assurer leur subsistance, la vie durant. Qu'on donnait à la congrégation. Et qui était toujours plus importante même que la dot en mariage. Alors, la dot écartait les filles pauvres de la possibilité d'entrer en communauté. Et il y avait aussi, des classes sociales dans les communautés. Il y avait celles qui pouvaient se permettre de devenir des religieuses avec dot et qu'on appelait des sœurs de cœur. Et il y avait les converses, c'est-à-dire celles qui étaient leurs servantes souvent et qui venaient avec elles, finalement, qui entraient en religion ou en communauté avec elles et qui faisaient les gros travaux. Et qui n'avaient pas, disons, de subsistance autre que celle que leur assurait leur maîtresse, finalement. Alors que Marguerite Bourgeois, c'est extraordinaire. Je vous dirais que c'est révolutionnaire, parce que Marguerite Bourgeois refuse et plaidera jusqu'en 80. Elle aura 60 ans quand elle retournera une troisième fois une troisième traversée en France pour encore plaider de maintenir sa communauté non cloîtrée. Et finalement, ce sera juste 2 ans avant sa mort, en 98, là, qu'elle prononcera des vœux à l'âge de 78 ans. Et elle aura en face d'elle Monseigneur de Laval. Monseigneur de Laval. Qui n'était pas commode. Et Monseigneur de Laval, écoutez. Votre préféré. J'ai vu ça dans les notes, là. Beaucoup d'affection pour lui. Ah, c'est incroyable, Monseigneur de Laval. Écoutez, je vais vous lire quelque chose concernant Monseigneur de Laval.
Alors, c'est Marie Guyard, parce que Marie Guyard, juste un mot pour vous dire à quel point Marie Guyard a bien maîtrisé les langues amérindiennes. Marie Guyard a même fait des, on dit rédigé des traités, mais enseignait même la langue algonquine. C'est une érudite. Ah, hein? Une érudite. Écoutez, je parlais de ses 13 000 lettres qui nous permettent d'avoir une plus fine connaissance là, de ce qu'était le début de la société, mais des huit ouvrages en fait, de majeurs sur le plan spirituel aussi qu'elle a laissé. Mais alors, au-delà de ça... Elle a même écrit une autobiographie, c'est quand même incroyable. Marie Guyard. Et son fils ouais. La publiera après sa mort, voilà. En 1677, et ça deviendra vraiment un best-seller aussi. Ouais. Alors, donc, Marie Guyard écrit ceci concernant Monseigneur de Laval. Elle était en désaccord sur les règles de sa communauté. Et Monseigneur de Laval attendra sa mort, mais après sa mort, il les imposera à la communauté. Mais... Elle écrit, en s'en désolant, « Elle dut s'incliner devant la décision de l'évêque de leur interdire le chant grégorien et de leur interdire le chant dans les langues amérindiennes, des chants français ou latins qu'elle avait traduits en langue amérindienne. » Et elle écrivit ceci à ce sujet-là, « Il craint que nous ne prenions de la vanité en chantant et que nous ne donnions de la complaisance au dehors. Nous ne chantons plus aux messes, parce que, dit-il, cela donne de la distraction aux célébrants et qu'il n'a point vu cela ailleurs. » Ça vous donne une idée de l'austérité du personnage. C'est pas un homme qu'on a invité à des parties. C'est pas lui qui mettait l'ambiance, disons. Il n'y avait pas de joie, je pense, n'est-ce pas, alors, dans sa présence. Justement, dans sa présence. Mais alors, je reviens à Marguerite Bourgeois. Oui. Alors, Marguerite Bourgeois va établir son école. C'était une école étable, hein? Parce que c'est une étable qui fut la première école de Ville-Marie. Et, bon, elle la nettoiera, elle fera disparaître les pigeons et puis les traces de bêtes dans l'étable. Et elle aura un enseignement participatif. Et je pense que Marguerite Bourgeois, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant de ce qu'elle nous a laissé comme héritage, c'est justement cette façon d'enseigner qui était totalement différente de celle qu'on a connue dans le passé. Si vous me permettez... Une pédagogie un peu plus ouverte, mais ne confondait pas les époques Mais parce qu'elle avait des idées... je disais tantôt révolutionnaire pour l'époque sur le rôle des femmes dans la famille, dans l'Église, dans la société tout entière. Mais je voudrais vous citer un extrait de l'histoire des femmes du Québec depuis 4 siècles. Oui. Un très beau livre. Très beau livre. On peut y lire ceci. On réalise mal aujourd'hui ce que représente d'innovation hardie cette communauté séculière qui doit travailler pour sa propre subsistance, qui porte un costume laïque, qui établit les principes d'une pédagogie avant-gardiste. Marguerite Bourgeois préconisait l'instruction gratuite, l'éducation des filles, l'apprentissage de la lecture à partir du français et non pas du latin, ce qui était une très audacieuse innovation à l'époque. Et ça, je trouve qu'on en parle très peu. Moi, l'impression que j'ai depuis ces années où je m'intéresse à ces femmes pionnières, c'est que, d'une certaine façon, on les a mis dans un écran de velours fané. Puis, on les a laissées là au fil des années, au fil des décennies, des siècles, alors que c'était des femmes, je disais, d'une très, très grande modernité, parce qu'elles franchissaient les obstacles. Elles avaient un leadership absolument extraordinaire. Et pour, en fait, la société de l'époque, quand on sait les contraintes qu'avaient les communautés, qu'elle ait choisi de se suffire à elle-même, parce qu'elle refusait la dot. Et, en fait, elle refusait des bienfaiteurs. Elle refusait de dépendre de bienfaiteurs. Il y avait même eu une proposition pour qu'on lui associe une bienfaitrice. Elle l'a refusée. Elle tenait à ce que les membres de sa communauté, parce que c'était une vie communautaire,
qui était une vie pieuse, là, mais qui n'était pas une vie dans les règles avec les vœux, si vous simples, ou les vœux solennels là, que l'on connaît, et qui oblige à obéissance à l'évêque. Alors que, en restant pieuse, mais dans une vie communautaire sans ces règles de l'ordre, elle pouvait se permettre d'avoir liberté de mouvement, et c'est de cette façon qu'elle a pu se déplacer. Vous me parliez tantôt de Monseigneur de Laval, peut-être juste vous rappeler qu'elle fera trois traversées. En France, la première, ce sera avec Marguerite Bourgeois, pour notamment y ramener quatre compagnes. Elle y retournera en 72, elle ramènera six compagnes. Mais le Monseigneur Laval, une fois qu'elle aura ses lettres patentes, refusera qu'elle puisse recruter des compagnes en France. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment, moi, je pense que... Elle doit être mieux connue que ce qu'on en est, en fait, ce qu'on en retient maintenant. Mmh. Parlons maintenant de Jeanne Mance. Donc, Jeanne Mance arrive à Québec en 1641, je crois, durant l'été, 1641. Elle arrive un peu avant Paul Chemédé de Maisonneuve. Presque deux mois avant lui. Presque deux mois avant lui. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que le gouverneur de Québec, Charles de Montmagny, les accueille assez froidement. Et accueille assez froidement ce contingent, ces deux bateaux, qui doivent fonder Ville-Marie, comme on le sait, en mai 1642. On peut presque parler d'un État dans l'État. Pourquoi cet accueil si froid? Pourquoi cette indépendance? Qu'est-ce qui cloche? En fait, c'est de l'hostilité que Jeanne Mance a rencontrée à son arrivée, mais une hostilité à l'égard de leur installation sur l'île de Montréal. Le projet de la Société Notre-Dame d'établir Ville-Marie sur l'île de Montréal, il ne faisait pas vraiment l'affaire de Québec. D'abord parce que Ville-Marie... Oh là là, ça commence à ce moment-là. Il n'y avait pas d'amphithéâtre, pourtant. Il n'y avait pas de... Bon, alors, le gouverneur de Montmagny cherchera à retenir Maisonneuve, oui, et Jeanne Mance. Ils voudront les convaincre d'aller sur l'île d'Orléans. Voilà, ils voudront les convaincre d'aller sur l'île d'Orléans. Et d'ailleurs, le gouverneur, finalement, il les accompagnera. Mais il y avait une rivalité certaine, parce que Ville-Marie, si vous me permettez la comparaison, ce serait un peu comme une ONG, mais avec des lettres patentes, mm-hmm, mais d'une complète autonomie, mm-hmm, et qui avait obtenu du roi de pouvoir nommer son gouverneur. Alors, Chaumédé de Maisonneuve était donc le gouverneur de Ville-Marie et ne dépendait pas, mm-hmm, de Québec. Alors qu'à Québec, c'était la Société des 100 associés de la Nouvelle-France qui avait un monopole dans le commerce des fourrures. Vous savez, Ville-Marie, ce qui est exceptionnel, c'est bien sûr que c'est un projet spirituel, donc tout à fait étranger à toute activité commerciale. Et en pleine autonomie. Sauf qu'il pouvait y avoir de la méfiance. Hein? Est-ce qu'on pouvait vraiment leur faire confiance? Est-ce qu'il y aurait peut-être un deuxième magasin qui pourrait ouvrir, prendre de la fourrure en passant? Il y avait de ça aussi. Vous savez, ce qui est exceptionnel, cependant, c'est que, par exemple, Ville-Marie refusera toujours de bénéficier des revenus de la vente de fourrure. Et Chaumédé de Maisonneuve, vraiment doit nous inspirer, parce qu'il sera d'une intégrité exemplaire comme gouverneur. Il ne s'attribuera jamais aucune des terres là, qu'il distribuait aux colons. Mm-hmm. Et en fait, la rivalité s'est maintenue, je pense, que jusqu'à ce jour. Oui, en effet. En effet. Et là, vous avez cette citation, je crois. Vous avez cette citation lorsqu'il y a cet affrontement assez viril entre Montmagny et Chemédé de Maisonneuve. Les plus vieux, ceux qui ont fait l'école autrefois, peut-être connaissent cette citation. Les plus jeunes la connaissent moins. Moi, je l'ai découvert récemment, je vous avouerai. C'est cette citation. Alors, Montmagny dit à
Maisonneuve, vous ne devriez pas aller là, aller sur l'île d'Orléans, c'est moins dangereux. Parce qu'il y avait aussi la peur des Iroquois, il y avait aussi cet argument. Oui. Hein, c'est un lieu très dangereux, donc tout à fait. Vous risquez vos vies. Et là, la réponse de Maisonneuve, je ne sais pas si vous l'avez sous la main. Ah, c'est une magnifique réponse. C'est une belle réponse, pleine de panache. Oui. Je pense qu'on pourrait se la répéter ici, mais c'est quelque chose comme... malgré que tous les arbres de Montréal seraient... Vous voyez, c'est voilà. Ça. Les 60 ans et plus la connaissent. Hein? Tous les arbres pourraient se changer en Iroquois. J'irais quand même. Par devoir et mon honneur m'y amène. Exactement. Donc, Montréal, Ville-Marie est fondée en mai 1642. Et qu'est-ce qui se passe durant les premières années? À quoi ressemblent les premières années de ce nouvel établissement où il y a Paul Chomedey de Maisonneuve, Jeanne Mance et quelques habitants avec eux? Comment ça se passe? Bon, la première année, ça s'est très, très bien passé. C'est un peu idyllique. Oui, c'est idyllique. En fait, ils ont pas vu d'Iroquois ou les Iroquois les ont pas vus. Ouais. Jeanne Mance ouvrira son hôpital en 1644, donc 2 années après son arrivée. Et déjà, finalement, elle pourra recevoir rapidement, elle recevait indifféremment Amérindiens, Français, amis ou ennemis, là, tous étaient soignés. Et d'ailleurs, on parle de ces dons de soignants, des dons exceptionnels. Elle avait même trouvé des procédés particuliers pour soigner lorsque les personnes étaient scalpées. Mm-hmm. Alors, ça, c'est un aspect, je pense, qui était très apprécié. Ça pouvait être utile, en tout cas. C'était très, très apprécié. Utile. Et elle fait, donc, il y a l'établissement de l'Hôtel Dieu, et elle fait un premier voyage en 1649, mais qui est très important. Oui, oui. Alors, parlez-nous de ce voyage. Pourquoi ce voyage-là est-il si important et qu'est-ce qu'il annonce? En fait, elle retourne dès 1649. Il faut savoir qu'étaient ces traversées. Il faut imaginer des traversées qui, parfois, peuvent durer des mois et avec la nourriture qui devient variée. L'eau aussi. Ça, on oublie, mais moi, j'ai réalisé ça en lisant les descriptions. L'eau qui pourrit. Voilà. En fait, le manque de sommeil, les odeurs pestilentielles et les cargaisons contenaient des animaux. Alors, matelots pouvaient boire de l'alcool, mais Marie Guyard et Jeanne Mance, ça ne pouvait pas beaucoup d'alcool. Non, ils n'étaient pas à l'alcool. Non. Donc, ce voyage de 1649. 1649, c'est que la Société Notre-Dame est en débandade. Voilà. Vraiment. Il reste une poignée, quelques membres de la Société Notre-Dame. Parce que certains ont été tués. Ou peut-être aussi parce qu'il y a comme des missions en Extrême-Orient et ça devient plus à la mode aussi. Mm-hmm. Et puis, quelques arpents de neige avaient fait avait refroidi les ardeurs. Les descriptions des hivers, on peut les comprendre. Et en 1640, c'est perçu comme étant très inhospitalier. Oui. Alors, en 1649, c'est extrêmement important. Là, elle retourne et elle convainc Jean-Jacques Olivier de devenir président. En fait, il était, lui... à ce moment-là, supérieur des Sulpiciens, de devenir président de la Société de Notre-Dame. Et elle leur fait, signer des contrats parce qu'il n'y avait pas d'existence légale. Hein. C'était tout simplement une organisation bona fide. Là. Vous voulez dire la Société Notre-Dame? La Société Notre-Dame comme telle. Alors, donc, Jean-Jacques Ollier devient président. On formalise les choses. On formalise les choses de telle manière que, par exemple, ils avaient dû refuser un legs dans le cadre d'une succession, là, parce qu'il n'y avait pas d'existence légale qui permettait finalement de recevoir ce legs. Et là, elle introduit ce qu'on appelait à l'époque une tontine, mais on utilise encore cette expression. C'est comme une propriété collective, la Société Notre-Dame, qui avait acquis la propriété de l'île de Montréal. Ses membres en deviennent collectivement propriétaires, mais comme une mutuelle. Mm-hmm. Et donc là, il y a comme une...
Vous savez, elle était mystique, mais elle avait le sens pratique. Oui, oui. Alors que Dauversière était mystique, puis il n'y avait pas de sens pratique. C'est oui, il a initié le projet, mais oui. Il était un peu dépassé. Il était prophétique. Oui. Bon. Alors, donc, et en 49, elle obtient finalement, parce qu'elle a une capacité de persuasion qui est extraordinaire. Mm-hmm. Alors, elle obtient, disons, de ranimer la Société de Notre-Dame. Elle lève des fonds et elle revient finalement à Montréal. Elle à lève un moment des... critique. C'est une grande collectrice de fonds. Oui. Elle a une capacité assez exceptionnelle. Vous savez, avant même son embarquement, lorsqu'elle avait accepté, au moment de son départ, la proposition de la Dauversière, elle le convainc d'écrire le projet. Elle ajoute une lettre à ce projet en 1942 et elle lui demande d'aller la distribuer à toutes ces femmes de la noblesse là, qui lui avaient demandé des rencontres. Heureusement, d'ailleurs, parce que la Dauversière lui avouera qu'il avait obtenu 75 000 livres pour le départ de 1942, mais que l'année qui suivait, il n'y avait plus un sol. Il n'y avait plus un sou, hein, c'est n'est-ce ça, pas? Oui. Alors qu'avec, finalement, cette levée de fonds, là, suite à ces lettres qui avaient été distribuées, il arrivera un bateau l'année qui suivra leur arrivée dans l'île de Montréal. Il arrivera un bateau chargé de cargaison avec 40 000 livres qui avaient pu, en fait, être ramassés avec... Oui. Mais ces là, lettres-là. Alors, oui. Je disais donc une collectrice de fonds. Une collectrice de fonds oui. Efficace. Efficace et intègre. Et intègre, oui. 1650-1651. Ça va mal. Ça va très, très mal au très, point. Très. Au très. Point où Paul de Chemédier de Maisonneuve oui. va en France et il dit, si je ne reviens pas avec au moins 100 hommes oui. ou 100 personnes, on va fermer boutique. Oui. Et là, il y a une décision fondamentale que prend Jeanne Mance. Avec les fonds que lui avait confiés Madame de Bullion. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Jeanne Mance qui va persuader Maisonneuve de partir pour la France et de recruter des colons. La situation est extrêmement difficile. Je pense qu'à cette époque-là, il est même question de quitter... Oui, pas simplement Ville-Marie, oui. parce que j'ai le texte de Marie de l'Incarnation mm-hmm. qui écrira à son fils, on pense être obligé de retourner en France. Alors, Jeanne Mance décidera, Maisonneuve, à faire finalement cette expédition-là. Qu'on appellera ensuite la grande recrue, oui. parce qu'elle réussira. Mais il était entendu que oui, mais, si, oui. si Maisonneuve n'y arrivait pas, tout le monde reprenait le bateau oui. et s'en retournait. Mais là, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des fonds que Mme de Bullion prévoit pour créer un hôpital, donc une œuvre caritative. Mm-hmm. Donc, ce qu'elle prend comme décision, et on le mentionne parce qu'on y reviendra, ça jouera contre elle, ça lui sera reproché plus tard, oui. mais elle utilise des fonds qui étaient destinés à un hôpital pour financer, au fond, une recrue, pour financer une expédition qui vise à recruter des gens. Ben oui, parce que la situation est extrêmement critique. Là. Je retrouve ce que Marie de l'Incarnation écrivait à son fils. « L'on projette de tout quitter. » et de faire venir des vaisseaux de France pour sauver ceux qui ne seront pas tombés en la puissance de nos ennemis. Alors, la situation fait en sorte que la Huronie est détruite, en fait, hein? mm-hmm. et les Hurons ont fui complètement l'île de Montréal, entre autres. Les Jésuites ont tenté de les rassembler près de Québec. C'est en 1649, ce génocide presque des Hurons. Et la colonie est vraiment incapable de ouais. protéger, parce qu'ils sont une cinquantaine environ encore ouais. à Ville-Marie. Alors, bien sûr que à ce moment-là, Jeanne Mance va même écrire, parce que c'est à peu près les seuls écrits qui restent d'elle, hein, dans les exposés des raisons, parce qu'on lui fera un procès.
et elle aura à démontrer les raisons qui l'auront amenée à utiliser ce fonds de 22 000 livres de Madame de Bullion pour permettre à Maisonneuve de lever la grande recrue. Alors, elle écrira « On ne parlait d'autre chose sinon que tout le monde voulait quitter. Et il eût été forcé de le faire. » Et là, évidemment, si Dieu n'y eut remédié, comme il le fit par le moyen qu'il me donna, inspirant à M. de Maisonneuve de faire un voyage en France pour demander du secours, et que s'il n'en pouvait obtenir au moins 100 hommes, qu'il ne reviendrait plus au pays, mais qu'il me mandaterait de m'en retourner en France avec tout ce que nous étions de monde et d'abandonner le lieu, moi faisant réflexion sur ces choses, dans une grande peine et angoisse d'esprit. Oui, c'est ça. Alors, on voit que la situation était dramatique. Oui, oui. Et c'est intéressant que vous citiez, parce que c'est un des rares textes, oui, en effet, qu'on a de Jeanne Mance, puisque si on connaît la vie de Jeanne Mance, c'est essentiellement à cause de deux sources, l'histoire de Montréal de Dolier de Casson et les annales de Marie Morin, probablement une de nos premières historiennes. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'était des contemporains. Oui, c'est ça. C'était des contemporains qui ont connu Jeanne Mance. Mais oui. Dolier de Casson était un sulpicien qui a été hospitalisé à l'Hôtel Dieu, oui, et qui a eu de longs, longs, longs entretiens avec Jeanne Mance, alors que Marie Morin était une religieuse. Elle est toute jeune. Des hospitalières, oui, et qui a écrit, disons, après de longs, longs entretiens privés avec Jeanne Mance. Alors... Donc, c'est un c'est des rares source, textes, c'est une des rares sources où là, on sait que c'est vraiment... Alors, donc, cette recrue est tellement importante puisqu'elle amène avec elle cette grande héroïne qui est Marguerite Bourgeois. Donc, non seulement on amène des bras, mais on amène aussi une femme d'exception comme Marguerite Bourgeois. Et d'autant que cette levée de fonds aura aussi été suivie d'une autre contribution de Madame de Bullion, oui, qui ajoutera, en apprenant de vive voix par Chaumédée de Maisonneuve, que la contribution qu'elle avait faite pour l'hôpital a été utilisée pour la grande recrue. Elle acquiescera et ajoutera un autre 20 000 livres, et de manière à ce que ça puisse donner suffisamment confiance à l'ensemble, si vous voulez, de ceux qui étaient les collecteurs. Et finalement, il y aura 100 000 livres qui permettront à la colonie de souffler. À défaut de quoi, oublions la Nouvelle-France. Là, on ne serait pas ici ce soir. C'est un moment critique. Et en tout cas, ceux qui doutent encore que Jeanne Mance est peut-être une des cofondatrices de Montréal doivent se pencher sur cet épisode bien précis parce que vraiment, c'est non, en plus de tout le reste, de tout ce qu'elle a fait par rapport à l'Hôtel Dieu, mais cet épisode-là est vraiment, vraiment déterminant dans l'histoire de Montréal. Et il faut savoir que Monseigneur de Laval lui fera un procès. Oui, ça, c'est ça. Donc là, le fameux Monseigneur de Laval, on arrive encore avec lui, qui est nommé en 1659, mais qui arrive un peu plus tard, je crois, ou enfin quelques mois plus tard, vicaire apostolique. Et donc, comme il est l'évêque... Il deviendra le premier évêque. Il se considère comme le patron de tout ce qui est religion dans la colonie. Et là, il y a des gens assez autonomes, assez libres d'esprit, qui voient les choses un peu différemment, qui ont organisé les choses. En fait, Monseigneur de Laval a voulu, à ce moment-là, le consentement écrit de Madame de Bullion. Il a douté du consentement de Madame de Bullion et il a réclamé un consentement écrit, mais Madame de Bullion était décédée. Alors, évidemment, à ce moment-là, elle a plaidé, Jeanne Mance, auprès de Monseigneur de Laval, que qu'elle avait elle-même, d'ailleurs, par la suite, vu Madame de Bullion, c'était en 59, oui, c'est ça, elle-même. Chaumédée de Maisonneuve l'avait vue en 53, elle-même, en 1659, l'a rencontrée à nouveau, et Madame de Bullion acquiesçait au point de continuer à financer, finalement, la Société Notre-Dame et Ville-Marie. Mais ce n'était pas suffisant pour Monseigneur de Laval. Il lui a fait, finalement, un procès jusqu'au conseil privé du roi à Paris. Il a mis en doute sa parole. Totalement. Et finalement, ça a été une période très, très, très difficile pour Jeanne Mance de sentir ce blâme, en fait. Le conseil privé du roi à Paris a statué qu'il n'y avait pas lieu, finalement,
de restituer, parce que ce que voulait Mgr de Laval, c'était la restitution des 22 000 livres de Ville-Marie à l'hôpital. Alors, donc, elle fait cet autre voyage en France pour un peu défendre son honneur, faire valoir son point de vue? Non, c'est quand un elle peu fera, après? Non, en 59, quand, en 1659, là, quand elle ira pour sa deuxième traversée, ce sera pour aller chercher les hospitalières. Ouais, les hospitalières, les oui. hospitalières, parce qu'elle ira chercher trois hospitalières de La Flèche. Du renfort. Ce serait, oui, et c'était d'une certaine façon pour pérenniser l'Hôtel Dieu, en fait, son projet d'hôpital. Ces trois femmes exceptionnelles seront, vous voyez, des femmes aussi dans la maturité. Hein? Entre autres, Madame de Brissol avait 39 ans, Marie Massé, je pense, en avait 41, et une autre, Marie Mariet, 49 ans. Alors, elles avaient beaucoup d'expérience, toutes les trois. Et vous savez que pendant son absence, Mgr de Laval avait conçu le projet, n'est-ce pas, de faire venir les hospitalières de Québec à Montréal. Il en a envoyé deux à Montréal pour prendre finalement... Le contrôle. Le contrôle, oui. Et donc, en fait, son propos était que c'était les hospitalières de Québec qui devaient être à Montréal. Et non pas celle que Jeanne Mance allait chercher à La Flèche. Bon, elle a tenu tête. Jeanne Mance, elle avait l'appui de M. Dadeau-Versière à La Flèche également. Elle a tenu tête. Alors, ces trois religieuses sont venues. Elles ont été reçues extrêmement froidement, parce que finalement, tous les bateaux arrêtaient à Québec. Hein. Elles ont été reçues extrêmement froidement. Et elles ont passé plusieurs semaines dans l'incertitude parce que Mgr de Laval ne voulait pas donner son autorisation. Elle revient donc et cinq ans plus tard, 1665, Paul Chemédin de Maisonneuve est désavoué. Il retourne en France. C'est une fin très triste. Oui. Il ne le mérite pas. J'espère qu'un jour, il y aura aussi une conférence sur Paul Chemédin de Maisonneuve, qui est un être extraordinaire. En 63, il retourne pour une troisième fois. Là. Oui. Et là, il s'agit à ce moment-là, encore une autre fois, de sauver Ville-Marie. La Société de Notre-Dame est en crise financière, est au bord de la faillite. M. Dauversière est décédé. La situation est vraiment, vraiment très, très, très difficile. Elle sait que le roi Louis XIV, le jeune roi Louis XIV, un renouveau dans le royaume. Veut finalement modifier considérablement les règles, si vous voulez, de la Nouvelle-France. Il va retirer les privilèges à la Société des 100 associés. Il va finalement, et la Société Notre-Dame et la Société des 100 associés va disparaître et il va le remplacer, en fait, par un gouverneur qui va vraiment être celui de la Nouvelle-France. Et donc, Maisonneuve n'est plus gouverneur. Et il semble que la population de Montréal l'ait beaucoup, 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 beaucoup regretté. Vraiment, il y a eu une immense tristesse dans la population quand ils ont su que, dans le fond, Maisonneuve était rappelée en France. Hein, c'est ce qui s'est produit. Ça s'est produit en 63, mais il est retourné en 1665. Ceci dit, encore une fois, Jeanne Mance a eu un leadership absolument extraordinaire. Elle a littéralement convaincu les Sulpiciens de prendre la place de la Société Notre-Dame. Mais là, il leur fallait accepter à ce moment-là. D'abord, il fallait que tous les membres de la Société Notre-Dame acceptent de faire cession de leur propriété, qui était l'île de Montréal, aux Sulpiciens. Qui sont devenus les seigneurs. Oui, c'était une seigneurie. Mais donc, elle a fait le tour pour obtenir les signatures de tous ceux qui étaient encore une poignée, là, membres de la Société Notre-Dame, qui acceptaient la cession.
Et les sulpiciens ont mis plusieurs journées avant de décider d'accepter, parce que parce que Ville-Marie arrivait avec des dettes considérables, des dettes considérables. Alors, elle a eu une force de persuasion absolument, vraiment extraordinaire pour les convaincre. Il y avait beaucoup, beaucoup de résistance, beaucoup de réticence. Alors, c'était l'objet de cette troisième traversée. Et elle est revenue. À ce moment-là, ça a beaucoup changé. Vous savez, Chaumédine-Maisonneuve a quitté, elle retourne en France. Il s'est beaucoup employé, cependant, à faire obtenir à la communauté de femmes qu'avait constituée Marguerite Bourgeois. Il s'est beaucoup, beaucoup employé, Chaumédine de Maisonneuve, à ce que le roi accepte de leur donner des lettres patentes, ce que Marguerite Bourgeois obtiendra, et ce pourquoi elle ira encore en France pour sa troisième traversée, sa deuxième traversée en 72. Bon, alors Jeanne Mance revient, et à ce moment-là, elle se retire comme administratrice. Elle continue cependant d'être l'administratrice de l'hôpital. Et c'est là où se fera le procès là, que Monseigneur de Laval lui intentera sur l'usage des 22 000 livres. Alors, Le temps file. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces pionnières? Quel est le legs le plus précieux? En quoi ces pionnières nous parlent-elles encore aujourd'hui? je pense qu'elles sont des inspiratrices pour des femmes de toute croyance. Je pense qu'elles sont des inspiratrices en ce que elles ont tenu, si vous voulez, jusqu'au bout à réaliser ce en quoi elles croyaient. Et moi, je considère que, je vous le disais en début d'entrevue, ce sont des femmes d'une modernité extraordinaire. Ce sont des femmes qu'il faut sortir de espèces de contextes fanés dans lesquels on les a laissées. Ce sont des femmes qui ont un héritage, parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est en grande partie parce qu'on leur doit. Elle n'avait aucun autre projet que celui, finalement, d'être utile. Louise Arel, merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.